Momentum Sans Frontières. Je suis très heureuse de commencer cette année avec vous. Bonne année de la part de toute l'équipe. On vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite à tous la bienvenue. À ceux qui sont nouveaux sur cette plateforme, bienvenue à la maison. Si vous ne l'avez pas encore fait, likez cette vidéo, partagez-la. Comme ça, les personnes qui sont autour de vous peuvent bénéficier et être bénies de ce contenu. Merci encore une fois, merci une nouvelle fois pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité. C'est grâce à elle que nous sommes là devant vous et que nous pouvons vous proposer ce contenu. Si vous voulez continuer à donner, je vous rappelle les trois façons de le faire, soit sur le site internet monofront.fr ou alors sur le site de l'église eglisemomentum.com ou alors sur la plateforme momentumsansfrontières.com sur la rubrique Soutenir. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'équipe de louanges qui va nous emmener vers un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Soyez tous les bienvenus à l'église Momentum. On est super heureux d'être ensemble et on va célébrer notre Dieu. On va dire qu'il est la lumière. Il est la lumière de nos vies. Amen. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La vie devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Jour après jour, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu as scellé. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On le rechante. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh. Encore une fois, Dieu tu es la lumière. Dieu tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Merci de nous remplir maintenant, Père. Ce matin, j'ai à cœur les personnes qui sont comme là, qui sont comme bloquées par de faux raisonnements, qui n'arrivent pas à connecter avec leur Père, parce qu'il y a comme cette barrière, comme quelque chose qui vient les empêcher. Et j'aimerais te dire, cette barrière, elle ne vient pas de Dieu. Jésus, il est là, il est disponible, il t'ouvre ses bras. Et ce matin, maintenant, c'est le temps de le saisir. Alors qu'on va chanter, l'atmosphère change maintenant. Jésus est présent, il est toujours présent. Mais c'est ton cœur qui va changer. Et parce que ton cœur va changer, tu vas saisir le bras de ton Père, la main de ton Père, ce matin. Alors déclare-le de tout ton cœur. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là, déclare-le. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Alléluia, tu es là. L'atmosphère change maintenant. Déclare-le de tout ton cœur, car l'Esprit du Seigneur est là. Dis-le, c'est évident. C'est évident, Dieu est présent. L'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. L'Esprit du Seigneur est là. du Seigneur est là. Déclare-le. Répands-toi dans ce lieu. Pour connaître ton cœur. Et ton cœur, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la victoire a été remportée. On est appelé ce matin à vivre la victoire dans nos vies, dans toutes les situations. Alors saisis-toi ce matin, empare-toi. Et la grâce est disponible, mais c'est à toi de venir la chercher maintenant. On y va ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis. Nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Redis-le, ses promesses, oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira, car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Pendant que l'équipe qui a été désignée pour la Sainte Seine va s'approcher, je vous invite à ce qu'on chante ce chant qui dit qu'à la croix, Jésus a triomphé. Amen. Les étoiles. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Une corde sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Elle s'est détournée, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. La terre trembla, alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est élevé. À jamais il est glorieux. Voici ce qui est écrit dans la première épître de Pierre. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal, il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Et quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu, qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés sur son corps, dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre par le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Ce matin, mon frère, ma soeur, il y a un appel à faire confiance à Dieu. Il y a un appel à réaliser que c'est Jésus qui te justifie. Il y a un appel à réaliser que quelle que soit ta situation, quels que soient les gens qui t'ont fait du mal, tu n'as pas à t'inquiéter. Car Jésus est là, il est ton défenseur et il a payé à la croix pour ton péché, pour tes maladies et aussi pour te relever de tous tes fardeaux. Jésus t'aime tellement, il a donné sa vie pour toi. Alors je veux juste qu'on réalise encore ces paroles et qu'on puisse chanter. Chantons Alléluia, Jésus a triomphé, Jésus a triomphé. Avant vous pouvez prendre bien sûr les éléments, boire et manger, en vous souvenant qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour vous. Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Réalise-le. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Allez, proclame-le. Oui, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Merci à l'équipe de louanges pour ce merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, sachez que c'est possible. En ce moment, vous allez avoir épinglé à la vidéo un formulaire sur lequel vous allez pouvoir renseigner votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et un conseiller qui est connecté en ce moment même va prendre le temps avec vous pour prier avec vous, pour vous accompagner dans la prière à la fin de la célébration. Donc faites-le, remplissez-le et à la fin de la célébration, un conseiller prendra contact avec vous par téléphone et prendra ce moment avec vous. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Pasteur Patrice pour le message et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, ou plus exactement, bonne année à chacun. Je suis vraiment heureux de pouvoir commencer ce dimanche de l'année en vous souhaitant. Vraiment, c'est mon cœur, c'est mon désir, ainsi que celui de mon épouse et de toute l'équipe pastorale, de vous souhaiter à chacun une bonne et merveilleuse année. Je crois vraiment que Dieu a des grâces, des bénédictions en réserve pour chacun. Et notre souhait, c'est que vous puissiez les vivre. Alors, bonne et heureuse année 2023, que la grâce de Dieu vous bénisse, vous encourage, qu'il y ait des beaux cadeaux de la part de Dieu pour chacun d'entre vous durant cette année, que vous allez pouvoir déballer, ouvrir tout au long de l'année et que sa bénédiction vous accompagne jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, que sa main soit sur vous. C'est vraiment une grâce et une bénédiction que de commencer l'année en étant ensemble et en pouvant s'encourager les uns les autres. Je sais que, alors c'est pas un changement d'année dans le sens année civile, mais quand il y a un changement d'année dans le sens anniversaire, mon beau-frère Patrick prend une chanson de Jean-Jacques Goldman et il la transforme au lieu de chanter le chant classique, habituel, joyeux anniversaire, etc., que vous connaissez dans toutes les langues, je suis persuadé. Il dit « c'est ta fête aujourd'hui ». Une année de plus, c'est ta fête aujourd'hui, et sur le chant de Jean-Jacques Goldman. Et je pensais à ça, et je me suis dit ça serait bien de prendre ce chant qui est tellement parlant, et au lieu de dire « encore un matin », vous savez c'est le chant « encore un matin », au lieu de dire « encore un matin », le transformer en « encore une année ». Et je l'ai mis pour vous et voici les paroles que ça donnerait de ce chant « Encore un matin » transformé en « Encore une année ». Encore une année, une argile au creux de nos mains. Il y a plein de choses qui vont être là, qu'on va devoir façonner. Encore une année, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Année pour donner, ou bien donner pour prendre, ou bien année pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Année pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Cette année, c'est la mienne, c'est la tienne, pour en faire un rêve plus loin. Année pour agir ou attendre la chance ou bousculer les évidences. Année innocence, année intelligence, c'est toi qui décides du sens. Et je crois vraiment que durant cette nouvelle année 2023, c'est chacun d'entre nous qui allons donner du sens à ce qu'il y a et ce qui va prendre place dans nos histoires de vie. Et je crois que le Seigneur désire que nous puissions tracer ce chemin avec la volonté qu'il a pour nous, qui est parfaite, qui est bonne, qui est déjà établie dans le ciel et qu'il désire que nous puissions accomplir. Alors, je crois que c'est important de vivre une année, mais pas une année pour vivre une année de plus. Une année de plus pour une année de plus, ça ne change pas grand-chose. Mais de vivre une année de béni, une année d'accomplissement, de plans et de projets de la part de Dieu. Alors, le message que j'aimerais vous apporter en ce début de nouvelle année, c'est vivre une année bénie en 2023. Est-ce que ça vous intéresse? Si tu es OK avec ça, sur le chat, même moi, je prie, je désire vivre une année bénie en 2023. En fait, le mot, parce que le mot bénir vient du mot bénédiction, et le mot bénédiction peut être tiré dans son étymologie de plusieurs choses. Le mot bénédiction est l'association de deux mots, du mot ben, béné, qui veut dire bien, et diction. Diction, la parole. C'est quoi une bénédiction? Ce sont des bonnes paroles. Quand nous bénissons quelqu'un, c'est que nous disons du bien sur lui. Quand nous maudissons la malédiction, malé, mauvais, diction, malédiction, la parole, quand nous maudissons quelqu'un, c'est que nous disons des mauvaises choses sur cette personne. Et c'est ça le mot bénédiction, mais il veut dire également, dans le sens un peu plus large, vivre également une bonne vie. Une vie où la main de Dieu est sur nous, une vie où Dieu marche à nos côtés, où jour après jour, il ferme les portes qui doivent être fermées, il ouvre les portes qui doivent être ouvertes, afin que nous rentrions et saisissions les plans et les grâces qu'il a pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce que ça vous intéresse, aujourd'hui, de vivre une bonne vie ? Est-ce que ça t'intéresse? Alors si ça t'intéresse, on va rentrer plus en profondeur dans ce message. On va regarder un psaume, c'est le psaume 112, et au-delà de la structure poétique de ce psaume, la plupart des psaumes, hein, vous savez, c'est des poèmes, c'est beaucoup plus même que des poèmes. Pour faire une petite parenthèse, c'est le journal, la plupart des psaumes ont été écrits par David, et c'est le journal intime de David. C'est pour ça que des moments, vous le voyez, il est en colère, « Seigneur, fais-les tous mourir », des moments, il dit « Voilà, le matin, je me suis levé, ma couche, mon matelas était complètement mouillé de mes larmes. » Vraiment, on voit David qui répand son cœur à travers les psaumes. Et dans le psaume 112, nous voyons vraiment, il y a une explication de comment vivre la bénédiction de Dieu sur sa vie. Lisons ensemble. « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. » Le bien-être et la richesse sont dans sa maison et sa justice subsiste toujours. Ça, quand même, ces choses-là nous intéressent. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On désire être des rocs, être solides, être bâtis avec le Seigneur. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'il va y en avoir des mauvaises nouvelles, que tu sois dans une bonne année ou une mauvaise année, une année composée de bonnes et de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, il y a de la générosité, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire, avec la grâce de Dieu. Alors on voit ici qu'il y a toute une structure qui nous invite à considérer ce qu'est la bénédiction. Et aujourd'hui, je m'arrêterai parce qu'il y a quand même pas mal de choses que nous pourrions dire et partager sur ce psaume-là, mais je m'arrêterai sur quelques points qui vont nous aider à vivre une année bénie en 2023. La première chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est qu'une des clés pour vivre une année bénie, c'est de vivre dans la gratitude. On le voit ici, il loue Dieu. Il adore Dieu, il célèbre Dieu, il chante les bienfaits de Dieu, il exprime sa louange et sa reconnaissance envers Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire en 2023, je veux commencer mon année en célébrant ce que Dieu a fait dans ma vie? C'est tellement bon de se souvenir. La Bible dit ceci, c'est David également qui le dit, « Mets toutes les grâces de Dieu, toutes les bénédictions, mets-les devant tes yeux et compte-les. Vois combien le nombre en est grand. » Oui, il y a des grâces, il y a des bénédictions. Et parfois, c'est terrible. On vit nos vies, on traverse nos années et on ne s'attarde que sur les choses qui n'ont pas fonctionné, que sur les choses que nous n'avons pas eues. Et finalement, tout le monde, même une bonne année, c'est une année où il y a des choses qu'on n'a pas réussi à avoir. C'est une année aussi où parfois on a perdu des choses, même si l'année a été bonne. Et c'est ça s'appelle la vie. Le soleil se lève durant l'année 2023 et le soleil va briller sur les justes comme sur les injustes. Et la pluie va tomber sur les bons comme sur les mauvais. Mais le psalmiste nous dit ceci. Celui qui va vivre une bonne année est celui qui va vivre dans la gratitude. Il va voir, il va se souvenir de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va accomplir. Il va célébrer son Dieu et son roi. C'est un peu comme, vous savez, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en 2023. On est au début, ok? On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais déjà, je célèbre Dieu pour ce qui va arriver. Regardez, c'est un peu comme l'histoire d'Abel. Abel, lorsqu'il a fait cette offrande qui a plu à Dieu, Vous vous souvenez de ce passage-là? Abel et Caïn ont fait une offrande. Caïn a fait une offrande en donnant les produits de la terre. C'était un peu du tout venant. Il a pris un peu ce qu'il avait sous la main et il les a donnés à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Mais l'offrande d'Abel était différente parce que Abel a donné ce qu'il avait de meilleur. Et la Bible nous dit qu'il a pris les meilleurs morceaux et il a pris les premiers-nés. Et c'est pour ça que c'était une offrande qui a plu à Dieu, parce que c'était une offrande de choix, c'était une offrande de foi. Par-dessus tout, d'ailleurs, Hébreux chapitre 11 nous le dit, c'est par la foi qu'Abel a fait son offrande. Pourquoi? Parce que quand il fait son offrande, il donne les premiers-nés. Mais Abel ne sait pas. Ça veut dire que les premiers-nés, il les prend, il les donne à Dieu. Mais mettez-vous à la place d'Abel. Abel ne sait pas si derrière, il y en a d'autres qui vont naître. Donc c'est pour ça que c'est une offrande de foi. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je prends le meilleur, Seigneur, et je te le donne, je te célèbre, j'ai de la gratitude pour toi, parce que même si je ne sais pas de quoi demain est fait, je sais que tu vas marcher à mes côtés, que tu es l'ombre de ma main droite, je sais que tu vas être là, je sais qu'en 2023, en janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, tu seras encore avec moi. Tu marches à mes côtés et ta grâce m'accompagne. La première chose que le psalmiste fait, on le voit, c'est la première chose que j'ai lue tout à l'heure, il va dire « Louez l'Éternel, célébrez-le, louons-le, disons du bien de lui. » On loue et on adore Dieu. La louange, c'est de dire, voilà Seigneur ce que tu m'as donné et je te loue de ce que tu m'as donné. Et adore même, l'adoration, c'est même, ça va même au-delà. L'adoration, c'est que Dieu te donne ou Dieu te donne pas, tu élèves la gloire de son nom. Le soir, quand je me couche, je veux avoir de la reconnaissance de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu a accompli. Le soir, quand je m'endors, plutôt que de regarder à ce que je n'ai pas eu, je vais regarder à ce que Dieu a fait et ce que Dieu a accompli et je vais le remercier pour cela. C'est la clé, c'est heureux l'homme. C'est une des clés majeures pour vivre une année bénie en 2023, c'est de célébrer Dieu pour les choses qu'il a fait. J'ai vu ces derniers temps, il y a un Reels qui tourne, un réel qui tourne sur Instagram, ou un peu de partout. C'est un petit chant qui dure 20 secondes. Il me met la banane ce chant. Ça dit « This is a good day ». C'est un bon jour. Qu'on soit lundi, qu'on soit mardi, que ce soit le jour de ton anniversaire ou même que ça soit une journée, un bad day, une mauvaise journée, c'est une bonne journée. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as de l'air dans tes poumons, tu as du sang qui coule dans ton corps et dans tes veines, et tu es un enfant de Dieu. Et quand bien même demain serait encore une mauvaise journée, tu restes un enfant de Dieu. Alors c'est une grâce que Dieu nous fait et que Dieu nous donne. Et lorsqu'on réalise, je suis enfant de Dieu, même si c'est compliqué, dans les choses qui prennent place, ou même si tout se passe bien, je suis enfant de Dieu, c'est une belle année qui s'ouvre devant moi, parce que sa grâce est là, sa gloire est là, et quand bien même il y aura, oui, des moments difficiles, il ne m'abandonnera pas. Il m'a gravé sur la paume de ses mains. Il connaît chaque cheveu qui sont sur ma tête. Il prend soin des oiseaux. À combien plus forte raison, il va prendre soin de toi durant l'année qui arrive. Alors c'est pour ça que c'est important de regarder et de poser nos yeux, au lieu d'être amers, de poser nos yeux sur les bonnes choses. Savez-vous quelle est la différence entre un vautour et un colibri? Un vautour, c'est un rapace. Un vautour est là, souvent dans des endroits un peu désertiques, et il attend qu'il y ait des morts. Il attend qu'il y ait des proies, et lorsque quelqu'un vient à mourir et que ça pue le cadavre, alors il prend plaisir, le vautour. On le voit dans certains films, il vient, il va se nourrir de la chair des cadavres. Il aime ce qui pue, il aime ce qui ne va pas. Il fait ses mets de ces choses-là. Alors qu'un colibri, c'est très différent. Un colibri, lui, il est tout petit, il est très beau cet oiseau, il a un petit bec long et lui, il pointe, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos, des images, des documentaires, il pointe son bec à l'intérieur des petites fleurs et là, il est en train de papillonner, c'est pas un papillon, mais il est en train de battre des ailes et lui, il se nourrit de ceux qui sont bons. Et dans la vie, tu peux être un vautour ou un colibri. En 2023, tu peux être un vautour ou un colibri. Mais si tu es un vautour, tu vas être malheureux. Oui, tu vas réussir à te nourrir, mais tu vas te nourrir de choses nauséabondes, des choses qui puent, du cancan, des choses qui tu vas apprendre sur un tel et un tel, et tu vas te nourrir de ces choses-là, ou des choses qui n'ont pas été. Je t'invite, pour vivre une année bénie en 2023, sois un colibri. Plante ton nez dans ce qui sent bon, regarde les bienfaits de Dieu, regarde combien le nombre en est grand et loue l'Éternel. Parce que celui qui loue l'Éternel va vivre dans la gratitude et Dieu va le bénir et Dieu va l'encourager. Il y a cette citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup qui dit ceci. « Il n'y a que deux manières de vivre sa vie. » L'une est de se dire qu'il n'y a pas de miracle. Les miracles n'existent pas. Et la deuxième manière est de dire que tout est un miracle. Et c'est vrai, tout est un miracle. Tout à l'heure, je parlais de ce chant qui passe sur Instagram et d'autres réseaux. Et on ne s'en rend pas compte, mais d'avoir de l'air dans nos poumons, c'est un miracle. Moi, j'ai eu en 2021 la Covid-19 sévère. Je peux vous dire, j'étais au service de réanimation, 70% de mes poumons étaient endommagés. Vous savez, il y a plein de choses que nous avons, on ne réalise pas que c'est une grâce jusqu'au moment où on les perd. Et j'aimerais te dire ceci, avoir de l'air dans tes poumons, c'est une bénédiction. Avoir du sang qui coule dans tes veines, c'est une bénédiction. Et donc, tu peux vivre ta vie comme si tout est normal, ou tu peux vivre ta vie comme si tout est un miracle. C'est un cadeau que Dieu me donne. Et durant l'année 2023, Dieu va me faire des grâces. Il va me donner de l'air dans mes poumons. Il va me donner plein de choses qui vont être là et qui vont jalonner mon année 2023 avec de la joie, avec du peps, avec des rires, avec voilà. Et même si des moments on va pleurer, mais on va se relever parce que Dieu est là et qu'il a encore un avenir et de l'espérance et que nous serons toujours, même quand c'est compliqué, nous resterons encore des enfants de Dieu. Nous resterons encore la prunelle de ses yeux. Nous resterons encore ses enfants bien-aimés. Alors va de l'avant. Vous savez, souvent on parle de ça dans la vie. Il y a des pessimistes et des optimistes. Moi, on me qualifie souvent de quelqu'un d'optimiste. Et c'est marrant d'ailleurs, ça, c'est tout le temps, on me dit « Ah, toi, t'es très positif, t'es très optimiste. » Il y a même un jour quelqu'un qui m'avait fait un reproche comme si j'étais un prédicateur un peu, vous savez, positif. Et en fait, mais non, c'est juste qui je suis. Je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'optimiste. Et souvent, je dis ça, et encore, tu ne vois pas tout ce qui se passe dans ma tête parce que tu prendrais peur. Ah, vous savez, une des images qu'on utilise, généralement, pour parler d'un pessimiste ou d'un optimiste, c'est quoi? Quelle est l'image, quelle est l'illustration, en règle générale, que nous utilisons pour parler des pessimistes ou des optimistes? C'est un verre d'eau. Et le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide. Okay? Et on va dire que le pessimiste voit le verre à moitié vide, alors que l'optimiste voit le verre à moitié plein. Et c'est là où moi j'ai compris que je n'étais ni pessimiste, mais je n'étais pas non plus un optimiste. En fait, je suis un homme de foi. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas, et je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui sont comme moi je ne vois pas le verre à moitié plein. Moi, par la foi, je vois le verre plein et il déborde. Par la foi, j'appelle à l'existence la moitié qui manque pour qu'elle arrive dans le verre et que ça puisse jaillir, que ça puisse couler, que ça puisse, comme David disait, que ma coupe déborde. Comprenez-vous? Nous appelons un homme de foi, une femme de foi, n'est pas un optimiste. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus qu'un optimiste. C'est quelqu'un qui voit la réalité, mais il appelle à l'existence. Les choses qui n'existent pas, il les appelle pour qu'elles viennent et qu'elles s'accomplissent. Je crois que durant l'année 2023, Dieu va me faire grâce, il va me restaurer, il va me relever, il va me permettre de développer mon ministère, il va peut-être me donner une épouse, un époux, il va me donner ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant. Sa volonté va s'accomplir dans ma vie, son plan parfait va être là. Alors, cette année, ne sois pas juste optimiste. Réclame d'être un homme de foi, une femme de foi qui va saisir par la foi, c'est-à-dire par sa confiance. Le mot foi, ça veut dire confiance. Par la confiance envers Dieu. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Il ne m'abandonnera jamais. Il sait tout ce dont j'ai besoin. Alors, plutôt que d'être un vautour et de mal parler, je vais être un colibri pour chanter et célébrer la gloire de mon Dieu. On est tellement, en tant qu'Église Momentum, on est tellement reconnaissant envers Dieu pour tout ce qui a pris place durant l'année 2022. Je vais vous dire brièvement, en 30 secondes, ce que Dieu a fait. Et je ne mets pas la moitié, mais je mets des choses assez marquantes. Il y a plus de 2 millions de vues, juste sur YouTube. Je ne parle pas sur Club Chrétien, Instagram. Là, on parle de 4-5 millions de vues, mais juste sur YouTube, plus de 2 millions de vues des vidéos. Et c'est pas qu'on s'entende bien, j'en ai rien à faire des vues, c'est pas, vous avez vu un peu comment on est beau et fort, mais c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des millions, des centaines de milliers de personnes, parce que c'est aussi les mêmes gens qui regardent, mais qui ont été bénis et encouragés. On reçoit des messages, des gens ont été bénis, des gens ont été guéris, des gens ont été restaurés, des gens ont été plus loin. On a fait des baptêmes, c'est juste fou de voir ce que Dieu a fait. C'est également l'ouverture de Momentum Sans Frontières. Il y a tout juste, même pas encore un an, on ouvrait Momentum Sans Frontières, momentumsansfrontières.com pour ceux qui n'y ont jamais été. Et là, c'est toute une plateforme et à l'intérieur, il y a tout un réseau qui est là, une communauté de croyants qui s'encouragent les uns les autres avec des groupes que nous pouvons faire, des maisons qui sont en train de s'ouvrir à travers les 4 coins de la francophonie, des gens qui reçoivent des enseignements. Bref, ça a été une grâce de Dieu. On a fait également un EP pour les enfants, un album pour les enfants. Merci pour la vie. Si vous ne l'avez jamais regardé, regardez ça, Spotify, YouTube, bref, toutes les plateformes. Il y a un album qui a été fait pour vos enfants. Ça a été fait ici. C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'était en 2022. Il y a des tonnes et des tonnes de nourriture qui ont été distribuées pour les gens qui sont dans la précarité. Il y a des dizaines et des dizaines de baptêmes qui ont été célébrés. Des gens qui sont passés de la mort à la vie. Des gens qui ont vu leur couple être restauré, leur vie être restaurée. Et durant septembre 2022, date majeure, on a vécu notre première implantation d'église. Momentum Bruxelles a vu le jour. Waouh! Et tellement plein d'autres choses. C'est vraiment la grâce de Dieu. Alors oui, il y a aussi des choses qui n'ont pas été. Oui, bien sûr, il y a aussi des ratés, il y a eu des couacs, il y a eu des choses que l'on espérait et qui ne sont pas arrivées. Mais quand même, tu regardes la grâce de Dieu et tu te dis, mais Dieu était à l'œuvre. Et c'est pareil pour ta vie. Bien sûr, il y a eu des couacs durant 2022, mais il y a eu aussi des belles choses. Et je veux célébrer mon Dieu et mon roi pour toutes ces choses-là. Alors, j'ai bien conscience que pour certains, en 2022, ça a été génial, mais pour certains, ça a été compliqué. Pour certains, 2022 a été complexe parce que vous avez perdu des choses, voire même des gens que vous aimiez. Et j'aimerais, durant ce message également, penser à vous pour qui l'année 2022 a été douloureuse et vous encourager à rentrer dans l'année 2023 en croyant que Dieu est toujours sur son trône. La Bible nous dit que le jour du déluge, Dieu siégeait sur son trône. Et même si 2022 a été un déluge pour toi, le Seigneur est toujours sur son trône. Et 2023, sa faveur pour être sur toi, sa faveur pour être sur ta famille, sa faveur peut être sur tes enfants. Alors, même si ça a été difficile, aie confiance à Dieu. Je finirai avec cette vignette biblique. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Saül, exactement, celui qui va devenir le premier roi d'Israël. Et lorsque Saül, la première fois qu'on entend parler de lui, il a un papa qui s'appelle Kish. Et Kish a perdu ses brebis. Et quand il a perdu ses brebis, il faut comprendre qu'à l'époque, tu perdais tes brebis, ses ânesses. Il avait perdu ses ânesses. Perdre ses ânesses, c'était pas rien. C'est quelque chose d'important. C'était ton moyen de locomotion. On parle d'une histoire qui a 3000 ans. Hein. Donc c'était ton moyen de locomotion. C'était ta camionnette pour aller travailler si tu étais un artisan. Bref, tu comprends que perdre tes ânesses, tu perds énormément. Tu peux te retrouver sur la paille à cause de ça. Et le papa, Kish, va dire à Saül, écoute Saül, jeune homme on n'a jamais entendu parler, et il va lui dire, écoute, tu vas aller, prends un serviteur avec toi et tu vas aller chercher les ânes qui sont perdus. Et là, la Bible nous dit, il va y aller pendant 3 jours. Il va chercher de partout, à gauche, à droite, nord, sud, est, ouest. Et au bout d'un moment, il dit, bon, ça sert à rien, il faut se rendre compte, à l'évidence, on a perdu les ânes, rentrons à la maison. Et là, le serviteur lui dit, tu sais, juste à côté, il y a un petit village. Et dans ce petit village, il y a un homme qui voit les choses qui s'appelle Samuel, un prophète de Dieu. Allons le voir, peut-être lui saura nous dire où sont les ânes. Ce que Saül ne savait pas, c'était que Dieu avait déjà tout préparé et il avait averti Samuel 24 heures auparavant, c'est comme dans les films, 24 heures plus tôt, il lui avait dit « Demain, à cette heure-là, il y a un homme qui va venir te demander parce qu'il a perdu ses ânes. Et tu vas lui donner l'onction pour qu'il soit le futur roi d'Israël. » Et lorsque Saül, lui, il est au courant de rien, Saül, il se retrouve, il cherche dans le village, vous connaissez Samuel, oui, il est là, il est par là-bas, donc il y va. Et quand il arrive devant Samuel, il n'est au courant de rien. Lui, c'est juste un gars qui vient de vivre une mauvaise année. C'est juste un gars qui vient de vivre un mauvais moment. Ça fait 3 jours qu'il court de partout parce qu'il a perdu des choses dans sa vie. Et lorsqu'il arrive devant Samuel, à la question « Sais-tu où sont mes ânes ?» Regardez ce que Samuel lui dit. 1 Samuel 9:20 « Ne t'inquiète pas de tes ânes perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours qu'elles ont été retrouvées. » J'aimerais te dire, à tous ceux qui ont des questions sur 2022, si tu as des questions, Dieu a des réponses. Et Dieu accepte que tu lui poses des questions. Dieu est omniscient. Vous savez ce que ça veut dire, omniscient? Cela signifie que Dieu a une connaissance parfaite du passé, du présent et des choses à venir. Et des moments où nous avons des questions parce qu'on n'a pas compris pourquoi j'ai vécu ça, moi, en 2022. Pourquoi j'ai perdu ça dans ma vie? Saül avait perdu des ânes, mais moi, j'ai perdu beaucoup plus que ça. Et ça a été douloureux. Si tu as des questions, Dieu a des réponses. Peut-être tu as perdu quelqu'un que tu aimais, un époux, une épouse, des gens qui étaient proches de toi, tu as perdu des choses au niveau de ta santé. Et quand nous perdons, un des synonymes du mot « perdre », c'est la défaite. Et quand nous perdons, c'est lourd, c'est la défaite. On n'a pas les bras levés, waouh, c'est génial. On a plutôt les bras, les épaules qui tombent et on est découragé. La marche est lourde, le pas est lourd, c'est compliqué. Et si aujourd'hui tu es dans cette condition, parce que tu as perdu, j'aimerais te dire que Dieu connaît toutes choses. Tu as perdu une maison, tu as perdu une voiture, tu as perdu un job, tu as perdu une position sociale. Dieu, qu'on s'entende bien, Dieu ne se réjouit pas de ce que tu as perdu, mais Dieu n'est pas arrêté par ce que tu perds. Dieu est capable d'utiliser ce que tu as perdu, écoutez bien, pour t'amener à un endroit, pour recevoir une onction royale qui va te remettre sur le chemin de la vie. Dieu ne s'est pas réjoui que Saül ait perdu ses ânes, mais il n'en a pas été inquiété non plus. Il a utilisé ce que Saül et Kish avait perdu pour ramener Saül à un endroit précis. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant Samuel, Saül est au courant de rien. Mais là, il reçoit l'onction de la part du prophète Samuel pour être le futur roi. Donc, comprends ceci. Même si l'année 2022 pour toi a été compliquée, elle a été source de larmes, de stress et d'inquiétude, Dieu va utiliser ce que tu as perdu pour t'amener à une place en 2023, pour te donner une onction royale afin que tu redémarres, afin que tu ailles de l'avant. Parce que Dieu n'est pas mort en 2022, il est toujours vivant en 2023. D'ailleurs, nous sommes en l'an de grâce 2023. Autrefois, les anciens disaient ça, ça ne se dit plus, hein? Autrefois, les anciens disaient ça, nous sommes en l'an de grâce. Vous savez pourquoi? Parce que les gens étaient croyants et les gens avaient conscience. Vous savez de ce passage quand Jésus a dit ceci, « Je suis venu publier, Luc chapitre 4, une année de grâce de la part du Seigneur. » Ça fait 2023 ans que l'année de grâce, elle est publiée. Ça fait 2023 ans que la grâce de Dieu est à l'œuvre. Alors même si l'année 2022 a été une année de souffrance, j'aimerais te dire, l'année 2023 va être une année de grâce de la part de Dieu. Alors oui, comme le psalmiste, tu peux dire ceci, que le nom de l'Éternel soit loué. Que son nom soit loué en 2023, que son nom soit célébré. Je prends la décision de planter mes pieds dans le sol de la foi. Et même si parfois c'est compliqué, je loue et j'adore mon Dieu, je célèbre celui qui est digne de recevoir la louange et l'adoration, et je prie pour que cette année 2023 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année où les sourds vont entendre, où les aveugles vont voir. Je suis venu publier une année de grâce, afin que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés. Oui, une année de grâce aujourd'hui t'est offerte. Alors j'aimerais prier pour toi, mon ami, toi qui es devant cet écran, toi peut-être qui écoutes en podcast, toi qui es dans une chambre, à vélo, toi qui es dans un bois, toi qui es dans ton salon ou dans ta cuisine, toi qui es, peu importe où tu es, je désire prier pour toi, afin que cette année soit une année de grâce et d'une bénédiction de la part de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque homme, chaque femme qui sont en train de regarder ce message, jeune homme, jeune fille, personne âgée. Et je prie pour que 2023 soit une année de grâce et une année de bénédiction. Je prie pour tous ceux qui, en 2022, ont perdu des gens, ont perdu des choses, ont perdu toutes sortes de situations, pour que l'année 2023 soit une année où nous allons retrouver, où nous allons guérir, où nous allons être restaurés, où ta bénédiction va être notre partage. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que je te prie. Pour tous ceux qui écoutent actuellement ce message, je prie pour une pluie de grâce et de bénédiction sur leur vie. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si quelqu'un a besoin de ce message, pense à le transférer peut-être sur tes réseaux sociaux, par WhatsApp, peu importe. Pense à liker la vidéo pour qu'un maximum de gens puissent la voir. Et puis, laisse-nous un commentaire. Ça me fera plaisir de lire ces commentaires-là, ton témoignage. Sois béni et à bientôt. Bye bye. Merci Pasteur Patrice pour ce message. Je prie pour qu'il soit bénissant pour votre vie et qu'il continue de vous encourager toute la semaine. Rappelons-nous maintenant du programme de la semaine. Vous commencez à avoir l'habitude du programme. Je vous rappelle les trois dates importantes. Le mardi à 20 h sur le QG, un message particulier. Ensuite, le mercredi matin dès 6 h avec Nirina, femme de prière. Et le vendredi soir à 20 h, célibataire only. Encore une fois, merci pour vos dîmes et vos offrandes, merci pour votre générosité. Si vous souhaitez continuer à le faire, rappelez-vous les trois manières de le faire sur Momentum Sans Frontières, sur la rubrique Soutenir, ou alors sur le site de l'église eglisemomentum.com, ou alors sur le site internet monofront.fr.